Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous présenter le jardin potager solidaire de l'association Envoie-toi Sud-Gironde. C'est parti! Donc Elsa, bénévole à l'association Envoie-toi Sud-Gironde, et c'est un projet qui me tenait à cœur de créer ce jardin potager solidaire, à la fois pour l'autonomie alimentaire, mais aussi pour venir soutenir les actions de médiation, de remobilisation et de reprise de confiance en soi, de communauté, de lien social autour de ce potager solidaire. Les récoltes du potager serviront pour les personnes SDF, démunies, en détresse, en précarité, pour venir alimenter les colis alimentaires. C'est un projet communautaire puisque ce sont les bénévoles de l'association Envoie-toi Sud-Gironde, mais aussi les habitants qui ont déjà commencé à aider avec le débroussaillage, voilà, pour essayer de planter des piquets, et puis voilà, et les personnes accompagnées par l'association qui peuvent aussi venir aider sur ce potager à la création, la décoration, les plantations, pour qu'on puisse tous ensemble créer et avoir des belles récoltes. Un potager cultivé en permaculture pour le respect de l'environnement, et aussi donc ce sont des plants qui sont bio, voilà, des produits sains, pas de pesticides. Et notre défi cette année, c'est aussi de garder l'humidité sur ce terrain qui est une terre argileuse, où on a mis beaucoup de compost à l'origine, beaucoup de paillage. Et on va voir ce que ça donne cet été avec les fortes chaleurs, sachant qu'on essaiera d'arroser le moins possible, puisque c'est la grande question aussi qu'on se pose aujourd'hui, et l'aventure est à suivre. Up.